Salut, salut Michouki! Comment vous allez depuis ce matin? J'espère que vous allez bien, bien, bien. Hop, de la petite musique. Coucou ma cat! Comment tu vas? Bien et toi? Bien, bien, nickel. Il y a Stitch qui m'a donné envie de pizza, du coup j'ai mangé une pizza. Manger une pizza tomate mozzarella. Hop, j'attaque tout de suite parce que après j'ai mon rendez-vous pour mon petit pito. Dix ou cinq. Je crois que je faisais 5 mais je préfère 10. Je sais pas. C'est un petit peu trop gros 10. Comment tu vas ma carte? J'ai mangé mes 10 dernières céréales. Mon petit paquet. T'as mangé des bons CC? Erreur 2000 fichiers. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Kate? Je vais rester sur du 5 en fait. Hop. Hop, voilà. J'ai oublié de mettre mon gant. Il y a eu un bug. Oh. C'est bizarre ce matin, ça fait que ça.
Bah t'as aussi eu un petit bug. Bon, coucou Malora. Tu vas celui-là que j'ai pas pu faire hier. Du coup, celui-là, c'est jour coucou Amandine. Du coup, lui, c'est jour 6. Spectrum. Hop. J'ai reçu un truc que j'avais complètement oublié. J'avais commandé ça en début septembre. Ouh! Ah, il a l'air d'être beau! C'est beau le monde Alice au pays des merveilles, j'aime bien moi. Ah, c'est bien quand ça fait ça. Tu l'as commandé à Ali ou un truc comme ça, non? Riff fait sa sieste, tu as bien raison. Et qu'il fait pas une grosse sieste, sinon le soir il va plus savoir dormir. Non, sur Amazon. Ah ouais? Aussi long que ça? D'un seul. Non, je voulais le faire en gris en fait. Je trouve que c'est assez le truc là. Bon, on va l'attaquer, hein. Faut aller là. Oui, je le réveille plus tard. Et malheureusement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était du sérieux avec Eurydice? J'ai eu le temps un peu continuer mon petit nuancier tout à l'heure. Mais vraiment vite fait, j'ai préparé
La cage pour Pito. Je vais préparer son carnet aussi. Il va se faire piquer, mon gros. À piquer pour la façon, hein, vous avez compris, hein. Oui, bah oui, c'est ce que je disais ce matin, mais c'est parce que là, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Et il est plus facile à faire Spectrum que Motisma. Sinon, ouais, j'aurais fait Spectrum avant et Motisma après, logique, normal. Mais c'est que là, je dois vraiment arrêter avant 3h30 parce que après j'ai mon rendez-vous à Pito, au Veto. Et j'ai envie de le finir, du coup, je sais que Spectrum il sera fini avant. Tu vois que Motisma, gars, j'ai quand même mis 2h, du coup, j'avais peur de pas savoir finir cet après-midi. Bah ouais, j'avais dit ce matin, mais tu étais pas là, mon Ben. T'es arrivé un peu plus tard. Mais du coup, ouais, du coup j'ai pas mis mes trucs en ligne sur YouTube. J'attends que j'ai fini celui-là pour mettre celui-là avant et après Motis. C'est pour ça que j'ai fait jour 6, jour 7. Je vous l'ai dit, hein, je suis quelqu'un de très très ordonné. Mais tout chouki. Attends, par contre le cercle, je vais diminuer la. Est-ce que c'est bon de dormir hein? Mais non, ça rien, y a pas de soucis. Je peux te répéter pour toi, y a pas de soucis, hein. C'était pas un reproche, mon Ben, voyons. T'as tout à fait raison, t'as le droit de faire dodo. Je crois que je vais m'acheter aussi un diamant painting. Parce que je commence à me lasser un peu du colo. C'est con, hein. Je n'avais vu un beau sur Totoro en noir et blanc. Faut prendre l'aérographe bleu. C'est dans quoi? Dans peinture? Ouais, en fait. Bah attends, je peux te faire montrer vite fait, de toute façon. J'aurai le temps de le finir. En fait, j'hésite entre deux. Et c'est un big, hein. C'est un 50-60 que je vais prendre. Ouais, vous allez me le dire si. Parce que j'hésite du coup. Mais dans tout. C'est tout. All, c'est tout, je crois. Alors, j'ai. Bah, c'est l'univers de Ghibli. Hein. J'ai tellement plein de trucs dans mon panier. Non, j'en ai trop en fait. Voilà. Alors, j'ai celui-là. Attends, hop, je vais me faire montrer en grand. Alors, j'ai celui-là. Il est trop beau. Attends, mon Ben, je vais montrer et je suis à toi. J'ai celui-là. Il est où il est? Ils sont tous beaux. Je vais tous les prendre, hein, mais pour le moment, je vais en prendre qu'un. Celui-là, il est beau aussi, j'adore. Ou. Qui est pas dans l'univers de Ghibli, mais j'aime bien aussi. Par contre, lui, c'est à 60-80. Il est vraiment big celui-là. Celui-là. Avec les saisons. Un, deux ou trois. Je voulais choisir.
Non, je crois que non, j'ai pas pris un cadre. J'ai pris que des cadres 50-60, je crois. Celui avec les saisons, ouais. C'est quoi le 1? Petite préférence pour le 2. Le 1, c'est celui-là. Avec le dragon à cou. Le 1, c'est celui-là. Ouais, moi aussi, j'aime bien le 2. Après, j'aime bien celui-là aussi. Le 1 magnifique et le 2 est trop noir. Bah ouais, c'est pour ça. Bah c'est sûr, hein, je me prends les 3. Hein. Le 1 pour moi. Bah ouais, ils sont tous beaux, mais c'est. Parce que là, je vais pas prendre les 3 d'un coup, je vais pas les finir, je vais pas les faire les 3 tout de suite. Du coup, il y a le 1, le 1. Et on dit, tu choisis le 2. Non, le 1, puis le 2. Le 3. Ouais, c'est à Cookie Garipo. En plus, c'est mon fond d'écran. Tadam! Il est trop beau, j'adore. Bon, allez, c'est parti pour le 2. Pour le 1. Je vais prendre le 1. Ouais, du coup, ouais, non, pas 40-50. Faut que je regarde les 4 que j'ai en haut. 15 balles, ça vaut encore. Hein. J'envoie la photo de l'outil. Ouais, ça sera plus facile, je crois, mon Ben. Bah, tout dépend pour les frais de port si c'est plus avantageux de les prendre ensemble. Les ports. Non, moi, ça pas. C'est pas les mêmes vendeurs. Par contre, le Toto, c'est le Totoro le plus cher en fait. Ah non, c'est le saison. Non, mais c'est parce qu'il est plus grand. Non, bah je vais prendre un coup alors. Alors, mon bel lui a envoyé une photo. Et vous êtes éclaté avec les gifles. Oui, voilà, ok. Par contre, je vais mettre un moment à le faire. Hein, parce que là, avec. Bah, tant que je le reçois, tant que je fais finir mes nuanciers, tout ça. Mais j'ai pas sur ta photo, mon Ben. Non, mais ça, j'adore utiliser les gifs. En plus, c'est mon acteur préféré, Jim Carrey. J'adore lui. Je le kiffe. Ouais, je vais attendre que tu m'envoies la photo pour que je puisse mettre dans mes pinceaux. Ouais, Spectrum, il est trop mignon celui que j'ai choisi. Il est trop chouki. Ah, ok. Du coup, c'est pas celui-là. Là, je l'ai pas mon Ben, j'ai que celui-là. J'ai que celui-là. Non, j'ai que celui-là. Bah, je peux pas monter au-dessus. Non, j'ai que celui-là. Je cherche les traces bleues. J'ai pas un gain, il est mauve. Ah si, il est là. T'as fait ça? On dirait pas du tout. Mais ça fait stylé. Ah mais doudou. Tu me gênes doudou. Doudou, tu vas te faire piquer doudou. Piquer au cul. J'ai piqué avec mon stylet. C'est qui va sortir piquer? C'est mon doudou qui va sortir piquer. Il m'en gagne bizarre.
Et du coup, je crois que je vais utiliser celui-là maintenant pour mes fonds. Attends. Et celui-là, il donne quoi celui-là? Merde, j'aime pas. Alors, du coup, celui-là. Dans mes pinceaux. Hop. Ici, mon Ben. Ouais, bah ouais, je me doute. Je vais faire quoi de beau cet après-midi, Michouki? J'espère que j'aurai le temps de colorier un peu. Les courses après ton live. Pourquoi? Tu changes tes pseudos tous les autant de temps? Nuancier, moi, et jouer, essayer de colorier et un peu travailler. J'adore ton planning, Ondine. Je repère un fond de couleur que je viens de rater. Ah, je peux ne rien aujourd'hui, tout le monde dessine, moi je suis en panne d'inspi. Oh, ma poule! Ça arrive, hein. J'espère que ça va venir un peu. Je colorie, mais j'ai envie de faire autre chose en fait, je crois que c'est à cause de mes nuanciers. Vu qu'ils sont pas propres, ils sont pas notés ni rien, bah ça me perturbe. Je suis con. Hein. Et continue les colomissions. Oui, Malora.
Ah, je savais pas. Peu de temps après, j'essaierai de faire mon croquis. Bah bravo, on se met à l'avance, monsieur. Alors, il y a la bouche. Comme ça. Je crois qu'on a trop la tête dedans. Ouais, c'est ça, je pense. Ça, moi, j'ai envie de changer un peu. J'ai envie de me prendre le petit diamant painting. Comme ça va me changer un peu. La qualité prend ton temps, madame. Madame. Je suis loin d'être une madame, moi. Coucou Aurore, comment tu vas? Nickel, nickel la forme. C'est bizarre que tu passes. Tadam! Il est trop choqué, je trouve, j'adore. J'adore comment il est. Regarde, il est pas chouki? Il est trop chouki! Mais ouais, il est mignon comme ça, j'aime bien. J'ai fini, mon DP, où ça me mange? Ah, ça me manque! Oui! Bah, tu te prends un autre DP, ma belle! Ça me dit coucou, mon dieu. Il m'a ses couilles, je suis contente. Ça fait plaisir. Hop, alors. On va un peu le pencher. Yeah. Il est trop beau, j'adore. Alors, est-ce qu'il prend bien toute la place? Alors, du coup, attends. On va faire agrandir un peu. Le mettre là. Et nickel. Je vais mettre ça là. Hop, voilà. Ça, tu vois, j'ai préféré faire lui à cette heure-ci, tu vois. Parce que, voilà, j'ai. Et je l'ai fini. Bah, le fini, non, là, il est pas fini, mais. T'es motivé en ce moment sur les dessins, Aurore? Tu y vas, hein?
Sur tablette là. Sur j'utilise Krita. J'utilise une tablette graphique. Avec le stylet et tout. Ouais, ils sont magnifiques ces colos. Si de nom ça me dit quelque chose. Mais moi je faisais les colos de bah, l'émission colo de Maureen Hart. Mais je crois qu'elle a arrêté. Et du coup, maintenant je fais mes propres missions et. Mais déjà, j'aimais bien faire y participer. Tu dessines aussi, Aurore? Là, tu dois choisir un. Quel site? Et si tu as des thèmes, si tu dois faire des colos qui rendent. Des pointes. Ah, pas mal, c'est cool! Pas mal! Il est trop choupi comme ça, j'adore. Bon, je vais un peu changer l'eau. Ça fait plus comme ça en fait. Non, je vais pas gommer, mais. Il est relou ce truc.
réussi à 3, c'est pour ça que tu fais ça. Oui, je fais parfois du dessin, mais je faisais plus avant, je colorie après. Ah, ok. Je m'amuse à faire un dégradé. Il faut, malheureusement, il faut. C'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai, bah, moi je suis comme toi, Aurore. J'ai dessiné beaucoup avant. Et là c'est parce que c'est Inktober, du coup je dessine. Mais sinon ouais, je suis plus colo. Depuis bientôt 6 ans. Au mois de novembre, ça va faire 6 ans. Bah, on passe déjà aux couleurs. Je sais pas si ça allait si vite que ça. Attends. Non. Il est fou, lui. Ouais, il est trop beau, ouais. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. J'ai vu, il est trop chouki, je prends lui. Il fait moins peur, il t'a envie de le... Il lui fait des petits câlins et tout. Quand même pas, mais... Moi, le kiff. Oui, Meshi les Chouki. Meshi, Meshouki, vous êtes trop mignonne. Moi j'aimerais bien garder le... Dis-moi Ben, est-ce que tu sais comment on crée sa propre palette de couleurs? Parce que j'aimerais bien en fait garder des couleurs pour mes autres colos. Je sais qu'on peut, mais... Non, mes préférences c'est pas ça. Non, c'est brosse. Tu sais comment on fait sa propre palette de couleurs? En fait, je voudrais sauvegarder cette couleur. Tu sais pas comment on fait? Attends, je vais choisir les autres. Non, je sais pas, désolé. C'est pas grave, mon Ben, c'est bon, au cas où. Au cas où, si tu savais. Ouais, mais ça change à chaque fois. Ça pour sa langue.
J'utilise les tout petits. Tu veux que je m'en aille? Bah, je sais pas si tu utilises ce logiciel, Riri. Si? Non, laisse-le faire dodo. Non, tant pis, je ferai. Je regarderai moi-même. Si au cas où quelqu'un le savait, quoi, ça m'éviterait de chercher. Mais c'est pas grave, je vais chercher. C'est mon cristal à jour. Pourquoi? Ça bug? Oui, ça bugait un peu ce matin. Mais là, ça va mieux. Mais eux. Quelle heure là? Oh ouais, tu vas rêver dans une heure, bah laisse-le dodo. Hein. Voilà, de toute façon, en même temps, je vais lui demander aussi autre chose, du coup, j'enverrai un message tout à l'heure. On va faire sa petite langue. Je suis arrivée à mon 6ème rack sur 20. Ça va, hein, sans mes bruits de fenêtre. J'avance tout doucement. Je suis plus lente que toi. Ben voilà, tu fais ton énoncé direct au propre. Moi, je sais que ça va être hyper long. Du coup, en fait, j'ai rangé comme toi, avec les mélanges des racks, bah des cartons. Ouais, des boîtes en fait. Du coup, j'ai tout mis les jaunes avec les oranges pour moi, ce qu'ils pensent. Mais en fait, quand je l'écris, c'est pas. Bah quand j'utilise le crayon de couleur, c'est pas du tout la même couleur que le crayon. Du coup, je fais vite fait, parce que des fois, je voudrais faire un colo avec. Moi, j'ai un nuancier, même si c'est un brouillon, ça reste un nuancier quand même. Mais après, du coup, vu qu'il y en a beaucoup, et je vais renoter sur un brouillon tous les jaunes, du coup, avec les couleurs que j'ai déjà sur le nuancier que j'ai fait, tous les oranges, tous les liens, et après, je reclasserai dans l'ordre tous les jaunes, tout. C'est ça que ça va être plus long. Là, je fais vite parce que si j'ai envie de les utiliser, je peux. Et si des fois j'ai une minute à moi, ben. Je peux les utiliser pour colorier. Tu vois? Ouais, regarde, ils sont là derrière moi. J'ai pris les deux boîtes. Ils sont trop, j'adore. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Je vais quand même essayer de finir mes colos que j'ai en cours. Commencer avec un de mes missions colo avec cela. Ah, j'ai craqué Aurore, hein, laisse tomber. Hein.
J'ai pris la boîte de 48 pour les tester et j'ai trop adoré. Oui, 500 watts, ouais. Bah, je t'avoue que je crois que les néons, j'ai jamais utilisé. Peut-être les métalliques, mais les néons, je pense point. Hein. Je suis à 261. Oui. Qui est pressé, on aura, ça devient bon. Pareil, les néons. Ouais, moi, je suis pas fan des néons. Bienvenue à toi, Mélie. Merci pour ton follow. Comment tu vas? Coucou, coucou, coucou. À part le rouge, je vais m'en servir pour le colo et les copines. Ah, le rouge, en plus, t'as pas mal de rouge, hein. Le rouge qui tire dans le rose, qui tire dans le marron. Franchement, t'as du chaud qui tire aussi dans le orange. Nickel, nickel. Tu fais du colo? Ah, du dessin? Du colo, c'est quoi ta petite passion? Dis-nous tout, Mélie. J'en ai fait les rouges. Les rouges sont dans les 300. Donc bientôt. Ah oui, c'est vrai, tu comptes dans les trucs, ok. Du colo et du DP. Ah, super. Bah pareil aussi. Je fais colo, DP et jeux vidéo. Quelle surprise. Ah, ça veut dire que vous vous connaissez. Ok, Mandine. Hop, voilà. Du coup, on a fini celui-là. On passe au violet. Là, je fais un petit Inktober, Mélie. Mais on se connaît bien. En fait, pour que ça rende ça plus mignon et plus facile, je l'ai créé en Inktober Pok Pok, j'ai appelé. En Pok Pok Pokémon, quoi. Ça rend un petit peu marrant. Une nappe de Nufi, c'est rencontre. Ouais, c'est cool, t'es bien de connaître des personnes. Du coup, t'es une débutante, Mélie, ou ça fait un moment que t'es dans cet univers? Dans cette petite passion toute chouki, toute détente? J'ai regardé tout à l'heure, ils ont encore baissé, hein, les 520 Gruffener. Ils sont arrivés à 102 euros. Alors, cela fait 2 ans en janvier que j'ai compris. Ah, c'est bien. Nifi, t'as un combo rose, s'il te plaît. Rose, pour quoi exactement? Quel ton de rose, en fait, que tu cherches, Malora? Et le DP, ça fait 4 ans que j'ai commencé. Du coup, t'as fait quoi de beau en DP pour le moment? Je veux dire, t'es plus dans quel univers? Fantasy, naturel, animaux, Disney, Ghibli comme moi. Ah oui, j'ai un petit Pikachu. Ou... J'ai un combo pour des cheveux roses.
rose clair et foncé. Après, t'as les quoi? T'as les actions. J'ai plus de nuances des actions. Après, de toute façon, si des fois tu cherches un combo, tu te dis, tu prends, t'en prends 3 minimum. Pour un qui se ressemble un peu, les roses, mais un vraiment clair. Un que ça sera la base. Ou le clair, si t'as pas vraiment clair, tu prends le blanc. Je sais pas si tu utilises souvent le crayon blanc. Un crayon aquarelle. Ah bah pour les aquarelles, alors ouais, tu peux faire 2 ou 3. 2 ou 3, oui. 2 ou 3. Du coup, ouais, tu prends une claire, une base et une plus foncée. Mais tu restes à peu près dans le même ton. Comme à peu près je fais ici, tu vois. Là, j'ai été dans le violet. Tu vois, là, par exemple, une claire, tu prends celle-là, tu prends la base et tu prends une foncée. Merde, j'ai pris le même. Comme ça, au moins, regarde, attends, on va essayer avec le rose, du coup, pour toi t'aider. Hop, là, pareil, tu prends vraiment un rose très pâle ou encore plus pâle, hein, si tu veux rester dans le ton naturel. Après, si tu veux rester dans le rose comme ça, toi, tu peux encore bien jouer avec les couleurs, c'est ça qui est pas mal. Puis après, là, c'est pas évident. Moi, j'ai plus d'habitude avec les crayons de couleur. Non, là, tu vois, là, ça suit pas du tout, tu vois. Là, ça fait vraiment moche. Du coup, comme ça. Là, ça passe, tu vois. J'espère que j'ai pu t'aider. J'espère que ça t'a aidé, malheureux. Ah bah si tu l'as, 4, vas-y, tu peux le mettre. Ah c'est vrai, en pensant à ça, j'ai pas encore mis le mien aujourd'hui. Je sais plus où j'étais arrivée en plus. Ah, j'ai mal. Super, merci. Ah, je suis contente. Ça t'a aidé, malheureux. Alors, ma couleur. Pour ça, j'aime bien beaucoup de couleurs, moi, comme là, les 520, je pourrais m'éclater à faire avec les dégradés. Ah bah oui, en plus, Laura, elle l'a pas nuancé. Ma Judas, elle l'a pas fait. Je prends ceux qui me plaisent. Ok, ouais, t'as pas d'affinité en fait. Mélie. Je veux dire, tu prends tout quoi. Ça peut être naturel, animaux et tout, tant que ça te plaît, tu prends. Moi, c'est pareil, mais je suis plus dans le Disney. Là, j'ai fait un Pikachu. Et j'ai le Cheshire. J'ai le voisin Totoro qui est là. J'ai les 3 Aristochats ici. Ben vous voyez pas, hein, c'est parce que ça décore ma maison en même temps. Et là, je me prends de Haku dans le voyage de Chihiro, le dragon. Et après, il y a Totoro aussi, j'aimerais bien, pour le mettre dans ma chambre. Et il y a un arbre 4 saisons. Parlant de Totoro, j'ai vu une belle horloge Totoro, je crois que je vais demander ça à mon Noël.
Mon dieu, il est gigantesque. Celui-là? Attends. Non, pas deux. Moi, j'hésite entre 60 et 80. Mais tiens, après, j'ai... Bah, c'est le plus gros que je peux, 60-80. Hop. Celui-là? Mélie? Mais c'est celui-là que je veux, il est trop beau. Non, pas celui-là, mais... Ok, d'accord. En fait, après, je voudrais me prendre celui-là pour ma chambre. Pour décorer ma chambre et... Et celui-là, je vais le prendre en grand pour me changer mon cadre violet. Celui-là. Voilà. Et celui-là pour me mettre derrière. Moi, c'est sur un lit. J'achète ça sur un lit, malheureusement. À chaque fois que j'achète là-bas, j'ai jamais été déçu, du coup. Ça arrive assez vite. Il n'y a que là où je trouve mes Totoro. Et Pokémon, je crois que je l'ai acheté à Action. Action, à Amazon. Celui des 4 saisons que j'ai acheté quand j'ai commencé DP. Malheureusement, la marque n'existe plus. Oh merde! Oh, c'est con. Là, j'ai mis nuancier. Je peux aller voir Malora. Kat a mis son nuancier. C'est gentil à toi, Kat. T'es une chouki. Je vais peut-être le Didi, Mélie, pour partager tes passions. J'ai mis colo et création. Une fois que tu veux partager avec nous. Si ça te botte, si ça te tente. Mais vas-y, c'est fait pour ça, mettez. Oui, un Didi. Attends, je t'envoie ça. Hop, je t'envoie le Didi. Notre petit Didi. Attention, il y a des fous dessus. C'est pas vrai. Et t'en fais partie, hein? Hein, mon Ben? J'ai aussi des missions. Colo, si t'intéresse, Mélie. Et là, ben, en ce moment, on fait le Inktober.
j'ai dépassé. Non, il n'y a pas de commande. Ouais, non. Je sais pas encore comment on fait tout ça. Vous voyez plus Ondine et... Bon, non. Kat, c'est la plus sage. Mais bah, attention, Mélie. Hein. On est tous foufou. On parle de... Mais j'ai pas fait... Oh non... Voilà, et je dis aussi souvent des conneries. Souvent. Il y en a, ça leur échappe pas. Ah, il y a un truc qui va là, ok. Plus qu'un secret. Mais on dit de... quand elle s'y met. Moi j'ai plutôt la plus sage chez Kat. Hein. Kat et Aurore. Bah ouais, je trouve plus sage que les autres. Elle est en train de se dire t'inquiète pas, moi je suis sage, attends, attends de voir Nufi. Kat va tout donner. Ah, c'est pour ça que je dis en fait non, on dit non. C'est pour ça que je dis ça. Je me suis rendu compte, je dis bah non, en fait on dit non.
Après, si t'écoutes la moitié de ce que je dis, c'est pas bien. Hein. Ça va pas, mon Benin. Je parlais pas à tout. C'est parce que je suis vieille. Mais non, Kat, on est tous jeunes. T'es pas le doigt du monde, hein? Voilà, tu vois? Normalement, c'est notre doigt, mais voilà, je reste calme. Je reste sage. Moi aussi je t'adore. Pourri, vous. T'as de la chance que moi aussi. Hier soir, on est chez la société. Bah ouais. Je me suis acheté des sucettes en chocolat. Chocolat de Père Noël. Moi, il est trop chouki et je le kiffe trop. Il est trop beau, je l'adore. Mon préféré, ça reste Givrali, mais mon deuxième, je crois que c'est lui. Par contre, il y a un petit souci avec le cadre. Voilà. Il mordait sur mon Inktober. Alors, du coup, c'est quoi? C'était ça que tu m'as fait faire. Une fille est dégueulasse, mon vélo. Trop bien son petit nez. Bah ouais, il est trop chouki. J'adore. C'est mon dodo. Bah, genre, vous aimez pas les sucettes au chocolat? Chocolat blanc. Un côté chocolat blanc et un côté chocolat au lait. C'est trop bon. Merci. Merde, donc c'est nul. Après, tu te plains car t'as grossi. Même pas vrai. C'est même pas vrai. Écoutez-le pas, il dit n'importe quoi.
On n'a qu'une vie, hein. Si j'avais tué une sucette au chocolat, je suis une sucette au chocolat. Point. Ça met du blanc dans ses yeux de chat. Bah, je préfère le blanc de base. C'est pas vraiment blanc blanc ce que je mets à chaque fois. Bon, Dino, on a dit que tu étais pas sage. Galère à parler. Belle a dit que t'étais une vilaine. Mais enfin, t'as vu ça? T'as vu comment il est quand tu pars? Ça y est, mais tout, hein. Tout sur ton dos. Mais je suis con. Gars, c'est pas blanc. Y'a pas. C'est pas. Y'a pas plus sage que moi. Non, la plus sage, on a dit que c'était. C'était 4 la plus sage. Ben voilà, j'ai fini mon petit. Oh, il est trop beau, je l'adore! Oui! C'est quoi, c'est des toilettes? Moi, j'ai bien aimé, c'est hier quand t'as fait la petit chien. Ou le chat qui court dans tous les sens. Alors, tu les as eu? Tu les as eu? Mort de rire. Trop beau, mais j'ai hâte. Là, dès que j'ai fini mon nuancier brouillon, je les mets tout dans ma trousse hein, parce que là, c'est intenable comme ça. J'aime pas. Par contre, là, les boîtes, je crois que je vais garder pour ranger les. J'ai mon donut qui s'en va. J'ai mon donut qui se barre. Ouais, parce que c'est relou. Par contre, je sais pas comment les ranger. Si je les range comme mes copiques, qui sont aussi écrits par Y, R, tous les trucs comme ça. Je crois que je vais faire ça. Je vais ranger comme mes copiques. Aïe, putain, j'ai mal. J'ai du mal dormir. Pardon, mon dieu. Ah, nickel, il est 15h05. Nickel. Je m'en doutais qu'il allait être moins long que les lisses là. Je sais pas, mais j'ai vu qu'il y a des Y dans les verts et des verts. J'ai des verts. Même si tu mets ça. Non, en fait, comment te dire ça
Niveau rangement dans ma trousse, c'est pas par rapport à mon nuancier. Je m'en fous totalement que c'est pas dans l'ordre. Et là, je vais te faire montrer juste un truc. En fait, mon nuancier, je le fais propre dans l'ordre de tout avec tous les jaunes qui sont de clair au foncé. Idem pour le orange, rouge. Par contre, pour dans ma trousse, je les range par numéro pour trouver plus facilement en fait les couleurs. Pas que je cherche 36 fois où il y ait le 300, alors tu vois qu'il peut être ici, là ou là, que là au moins je sais où il est. Là tu vois, là il y a, c'est pas du tout par nuancier là. Tu voudrais bien que, oula. Mais c'est par numéro de couleur. Par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, il me faut le numéro 32. Bah, je fais juste ça, hop, bah, je sais que le numéro 32, il va être là. Tu vois, au moins, je mets pas 3 ans à chercher. Ouais, je suis peut-être cinglé, peut-être y'a que moi qui fais ça, mais... Moi, je trouve que c'est plus facile à trouver, à chercher ton crayon. Mais c'est quoi ce rangement de brin? Je mets dans l'ordre de numéro. Vous faites pas ça, vous? Mais ça doit être embêtant pour vous chercher des crayons. Là, tu vois, c'est du 1 au 52. Ah, c'est vrai que c'est pas beau, mais après, c'est les brutes, hein. C'est les brutes, hein. On peut rien que les brutes, hein. Donc, moi, je mets les numéros par les numéros. Bah voilà, bah comme moi alors. Bah comme moi, Amandine. Tu mets les numéros dans l'ordre du crayon. Non, je mets par couleur et comme je n'ai pas beaucoup, m'en fous. Ah oui, voilà, ouais, moi j'en ai beaucoup, du coup... Je peux pas m'amuser à faire des dégradés dessus, ben sur. Sinon c'est pas pratique pour moi. Mais tu dis que... Bah ceux-là, ouais, mais pour tout l'heure, ouais, parce que... Bah les couleurs, mais c'est les couleurs Y, Y, R, du coup, c'est chiant. Parce que, ouais, toi, tu t'es regardé le numéro 1, en fait. Bah, j'ai pris un jaune, on va pas le voir. En fait, t'as pris le numéro ici. Bah, on va pas le voir, mais à la base du crayon. Où c'est gravé, en fait. Pff, non, on voit pas. Oui, ouais, au milieu, mais toi, si... Ouais, si tu le tâches jusque-là, bah, tu vas plus savoir le nom. Du coup, en fait, moi, je me fie au numéro dans le fond. Ici. Ouais, bah après j'ai une caméra de merde ici. Hein. Et du coup, c'est lui que j'ai pris, c'est L14/520. Oh, ah, juste, tu connais par cœur 520. Bah, t'as une bonne mémoire. Hein. Ouais, du coup, ben bah, je vais les mettre dans l'ordre de Y, nanana. Comme mes copiques en fait. Mes copiques, j'ai fait comme ça, j'ai mis. J'ai une grosse trousse par contre là. C'est une grosse trousse.
Mais en fait, du coup, ça va faire un si comme ça. C'est pareil, tu vois, c'est par Y. Alors que dans l'Y, il y a des marrons. Mais bon, après, moi, ça... Ouais, voilà, chacun ses rangements. Moi, ça m'aide plus comme ça, parce que j'ai quand même pas mal de crayons, on va dire. Ce qui me fait peur dans ces trous, c'est que jamais utilise cette couleur. De certaines couleurs. Dans lesquelles trousses? Le 4. Mais moi avec mon côté. Je vais pas. Ouais, voilà, tu vois, chacun a son truc. Moi je m'en fous. Mais par contre, il faut que mon nuancier soit dans l'ordre exact par couleur. Sinon, je suis pas bien. Mais dans ma trousse, je m'en fous. C'est juste un rangement, je le vois pratiquement jamais. Je m'en fous au niveau de ça. Même mes livres, je les range par ordre alphabétique. Je suis une folle, moi. Moi, je range par ordre de date de sortie. Le premier, le deuxième, le troisième. Celle que tu viens d'acheter. Bah, c'est des trousses normales. C'est des trousses normales, 4. Comme les autres, avec un crayon. Moi, je j'aime pas avec plusieurs crayons dedans. Je préfère avec un crayon à mettre dans chaque trou. Non, mais là, je parle des romans. Ah ouais. Moi, je mets ouais, par ordre ça aussi, mes mangas, tout ça. Il y a une petite pochette pour la tenir. Oui, mais tes crayons. Attends. Oui, ce qui me fait peur dans ces grosses trous, on sent ces coups. Est-ce que j'ai jamais utilisé certaines couleurs? Ah, tu veux dire le gros paquet de 520? 4? Excuse, j'ai mal compris, je crois que tu parlais de trousses. Oui, ouais, bah moi aussi. Je t'avoue que ça me fait un peu peur. Mais je ferai en sorte de me dire celui-là, je l'ai plus et j'utilise une autre couleur, tu vois. Pour essayer de. J'ai fait ça avec mes prismas. C'est pareil, j'en avais 150 et je l'utilise jamais en fait. J'utilise tout le temps les mêmes. Du coup, je me suis mis dans ma tête que celui-là, je l'avais plus. Du coup, choisis-en un autre. Parce que, ouais, là, il y a des couleurs. Je sais pas si je vais l'utiliser. Par contre, les tons beige, jaunâtre et tout, ils sont trop beaux. Oh, et tous les violets, gars. Franchement, ouais. Oui, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a des crayons qui seront souvent utilisés, ça, c'est sûr. Mais bon, vu que tu vois, si t'as un crayon qui arrive là, tu vas pas racheter la grosse boîte. Du coup, tu vas y prendre un qui ressemble un peu. Mais tous les tons vont pouvoir servir pour renforcer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Exact, on dit une tombe, ça va tuer. C'est pour ça, tu vois, là, genre, j'ai mis un peu vite fait dans l'ordre des couleurs de crayon, mais c'est pas du tout pareil. Hein. J'avais mis les jaunes là. Et il y a des jaunes aussi ici. Du coup, je vais m'amuser à tout mettre les jaunes avec les jaunes, les oranges avec les oranges. Et c'est là que je vais trier tous les jaunes en dégradé, tous les oranges en dégradé. C'est là que je vais m'éclater. Là, je le fais vite fait parce que oula, si j'ai envie de colorier avec, je crois que je vais pas. Je vais passer un petit moment à faire dégrader le nuancier nickel quoi. Faut encore que je fasse le nuancier des brutes fenêtres aquarelles aussi. Du coup, ouais, on pourra bien s'éclater, mes copines. Du coup, là, ouais, il est quelle heure? Moi, je vais pas tarder, c'est chiant. J'essaierai un peu colorier en rentrant notre trio. J'aimerais bien le finir pour ce week-end.
Un moment ce week-end je bouge pas. Bon matin je suis avec vous pour le Inktober. Normalement je bouge pas ce week-end, du coup ça pourrait le faire. T'en es où toi Kat du trio? Je suis sûre que tu l'as bientôt fini. Il en faut 22 des pages. Ah je sais, j'ai déjà calculé avant. Il faut 22 pages. Déjà pour les aquarelles, les 180, j'ai utilisé 8 pages. Et pour les Brutfener, les 520, ça fait 22 pages. Tu l'as fini, je m'en doutais. T'attends de poster? Tu nous attends? Je suis tombée à court de... À court de washi? Tape pour la partie Brutfener. C'est quoi un cours de washi? Je vous attends. Oh, Tetsuki, oh, j'ai essayé de finir pour ce week-end. Je finirai mon colo test un peu plus tard, tant pis. Du wash tab différent pour chaque sorte de crayon. Ah, ok. C'est comme un papier collant pour des... Oh, ok, d'accord. Dormir à moins con ce soir. Merci Ondine. Avec vous, j'avais de moins en moins con, c'est bien. Je colle sur les tranches du nuancier. Ah, pour que ça fasse tout joli. Oui, mais faut pas se précipiter et rater. Oh non, non, moi j'ai envie de le finir. Puisque... Mon dragon, je suis pas trop satisfaite de la couleur, mais du coup j'ai envie de finir le finir entier pour voir si le dragon il ressort ou pas. Comme ça, je sais directement où je dois aller dans le bouquin. Ouais, pas con. Pas con, Mandine. J'ai fini le fond pour l'instant et la base du dragon. Ouais, moi j'ai fait que la tête du dragon pour le moment. Mais j'ai fini mes nuances, j'ai fait mes combos, du coup je suis tranquille avec ça. Et la lune. Et dans les. J'ai trouvé une belle couleur dans les crayons Brutfener aquarelle. Pour la lune. Elle est trop belle. Ça fait un peu un bleu grisé. Il est trop beau. Surprise! Ouais, bon. Je vais vous laisser mes choukis. Je vais arriver mon homme et après on va y aller. Je vais emmener mon bébé au veto. C'est caché, je parie. Non, encore, il va tout seul dans sa caisse. J'ouvre sa caisse, je lui mets son coussin tout moumouté. Et il va direct dedans. Par contre, sur la route, il va faire. Il vient miauler comme un cinglé. Courage dans ton bibi, oui. Je vais le câliner. Je lui donner plein d'amour pour pas qu'il y pense. Ma petite crotte, là. Mais obligé, parce que je me suis renseigné, là, le code, c'est pas très, très gentil pour les chatouilles. J'aimerais pas qu'il attrape, quoi. Bon, on se voit ce soir, mes choukis. J'en fais un petit kitaria. Il n'aime pas. Ah non, c'est même mortel. Bah ouais, c'est pour ça. Je préfère le faire, quoi, tu vois. J'ai pas envie de jouer avec la vie de mon bébé, quoi. J'ai dit à ma petite boule de poil toute chiante. Des bisous, mes choukis. Passez une bonne fin d'après-midi. Mais du coup, ouais, on se voit ce soir pour un petit jeu avec des chats. On va essayer de continuer un peu dans l'histoire. Bah, petite aventure.
Viens ce soir, mes copines Chouki. Plein de bisous et plein de petits cœurs. Et gardez le sourire, c'est important. Je compte sur vous. Hein. Ah là, ce charme, chérie.